Amen. À cause de ta fille. Amen. À cause de moi. Amen. Tu acceptas de mourir. Merci Seigneur notre Dieu. Et au temps de la fin, alors que l'œuvre du calvaire était oubliée, tu nous as envoyé le frère Branham. Amen. Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas libres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. En les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'est changé en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Sivyo mnadhani watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa tatu ya mchana, lakini jambo hili lile lilenenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa adhabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes contents. Amen. 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 Et nous avons eu beaucoup de témoignages. Bien, les gens ont été guéris. Ils ont eu la solution à leurs problèmes. Ne négligez jamais quand il était la main. Il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent comme ça. On n'a pas besoin de l'imposition des mains. C'est vrai, nous croyons à l'imposition des mains. Le frère nous dit, nous les gens des gens, Dieu nous a donné la foi. Il n'a pas donné aux Juifs. La foi comme celle du centenier romain. Amen. Amen. Je ne prêche pas dans l'écriture.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et notre vue de vision, les anges sont en train de se déployer. Alors que nous prions ici, comme un géant qui était là comme un chirurgien, il a opéré. Alors qu'il levait la main, c'est une réalité. Un réveil qui ne s'éteint pas.
C'est là qu'il a tout
Que la sœur qui te parle,
notre vie de tous les jours. Il n'y aura pas de défaite. Amen. Amen. Il n'y aura pas d'obstacle. Si les gens pouvaient entrer en profondeur, comprendre la profondeur des enseignements du Christ, il n'y aurait aucune défaite. Il n'y a pas de puissance dans le message. Alors que Daniel a dit que ceux qui écouteront ces choses, ils feront des exploits. Le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas la véritable révélation. C'est un acte évident. Mais quand ça entre dans le cœur, ça vous révolutionne. Ça vous révolutionne. Vous ne verrez jamais des concours. Vous devenez invincible. C'est à l'église. Visages, ça va être un peu plus simple. Mais on pose visage. La page est ok. Vous connaissez la vie de la table. Monsieur est trop libre. Pas de aussi à vous. Troisième paragraphe de la page. C'est la table. Le prophète dit ceci. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ est dans la véritable église. Christ est dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes. Christ est dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que l'Esprit Antichrist allait se produire dans l'église. Thank you.
aujourd'hui sera aussi irrémédiable aujourd'hui. Ce sont des petites choses que les personnes
qui vont nous presser. Nous voulons parler tout le monde, nous voulons parler. Dieu ne regarde pas les grandes choses que nous réalisons. Dieu regarde les petites choses que nous négligeons. J'ai une citation. Vous ne serez plus utile dans cette église. Vous ne serez plus utile. Vous ne serez plus utile. Chaque jour 2 heures de prière. Pour prier pour l'église. Amen. J'ai posé la question dans ma famille. Qui a lu la Bible aujourd'hui? J'ai dans la prière dans ma famille. Et mieux habillé,
monde puisse penser à sa vie. Amen. Nous sommes dans l'âge de la foi. Le prix des commandements est déjà là. Le Seigneur est descendu avec le cri. Et cela cache la foi de la tâche. Amen. Et dans peu de temps, Oh, le Saint-Esprit d'abord, tu ne l'as pas.
Frère, la Frère,
Nous voulons une église au cas de Vernon. Chef de la Bible, la Calice, tu vas faire tout à coup.
depuis la méditation. Ça fait que la famille de cet esprit commence à s'exercer. Dans la méditation, c'est comme ça.
chez le prêtre. Avant la première compagnie, il doit négocier avec Josué. J'ai été